Jamal Van Johnson a la balle, feinte à gauche, feinte à droite. Dans les dernières secondes, il marque son panier. Magnifique! Les païens ont gagné! Les païens ont gagné! Jamais on a connu une telle victoire! C'était magnifique! Je sais, c'est extra, je suis d'accord avec vous. Jamal Van Johnson, le roi du panier historico-fantabulistique! Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, pas savoir. Et qu'est-ce qu'il y a de tellement marrant? T'es pas allé voir l'idiot numéro 3 ce week-end? L'idiot numéro 3 est sorti ce week-end? Oh, c'est pas vrai. Je meurs d'envie d'aller le voir depuis que Tête d'Andouille est sorti en vidéo. C'était « Jérémy, il y a un rôdeur sur le toit ou tu ronfles ?» Vince, à ta place, j'irai m'asseoir et je me tairai. Tête d'Andouille s'est sorti il y a au moins 6 mois. Oui, maintenant c'est « Prenez garde, voilà SS Samy !» Je suppose que le film est drôle. C'est ça, t'es plié en 4 pendant tout le long. C'est l'œuvre cinématographique la plus comique. Comment t'as pu rater ça? Toi qui es toujours au courant de tout ce qui vient de sortir. J'ai suivi les tournois de basket sur Canal Sport et ça m'est sorti de l'esprit. Eh, ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre, c'est pas grave. Ouais, et en plus, pour une fois, c'est pas moi le dernier. Yahoo! Je suis désolée, je voulais pas être vexant. Sauvé, heureusement que voilà Miss Grotteque. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons étudier... Ce livre est couvert de lettres. Idiot numéro 3, je sens que ça va être une longue journée. Et vous vous rappelez quand l'idiot s'engage dans la marine et qu'il fait couler la femme de l'amiral? Encore lui. Mon cher, tête en l'air, tes phrases que des cervelets illuminent mes journées. Je ne voudrais surtout pas être rabat-joie, mais ça ne vous ennuierait pas de parler d'autre chose aujourd'hui? Oh, bien sûr, je comprends, c'est naturel. Alors, qui commence? Mon sandwich est légèrement mouillé. Je présume que cette humidité est le résultat des propriétés thermiques de ton sac d'emballage. Moi, je crois que je vais me regarder la finale des internationaux. Eh, ver de terre, pourquoi tu fais tout de travers? Quoi? Mais je... T'as besoin d'un débouche-oreille, pauvre lombric, pourquoi tu fais tout de travers? Moi, pas savoir. Bon, moi, je vais peut-être jouer au ballon dehors. Excusez, Malouche, je ne croyais qu'il n'y avait plus rien dans la soupière. Ah, si j'entends encore une seule réplique de ce film, je... Attention, SS Samy! Je fais un malheur. Hein? Hé, monsieur le maire, vous voulez un fruit? Non, là, c'est trop. Je me sens complètement largué. J'imagine ce que Randall endure. Oh, waouh! Aide-moi, maman, au secours! J'ai des fouines dans mon pantalon! Il faut que ce soir même, j'aille voir ce film. Pas question que tu ailles au cinéma ce soir. Quoi? Mais maman, c'est le dernier film de Blaisdell. Billy Blaisdell, mais tout ce qu'il sait faire, c'est de se cogner dans les murs. Je ne vais quand même pas dépenser mes sous pour applaudir un demeuré. Si j'y vais, j'utiliserai mon argent de poche. Vincent, quand on a moins de 11 ans, il est strictement interdit d'aller au cinéma sans accompagnateur. Et tu n'as que 9 ans. Ne compte pas sur moi. Comment s'appelait le dernier navet où tu avais réussi à nous traîner, hein? C'était Tête d'Andouille. Jérémy, il y a un rôdeur sur le toit ou tu ronfles? Et voilà, c'est reparti. Ta mère et moi, on n'a aucune envie de t'entendre ressortir 100 fois les répliques de cette nullité. Mais tous ceux de ma classe ont déjà vu l'idiot 3. Si les autres se jettent d'un pont, tu vas les suivre pour autant. S'ils en discutent tous à l'école demain, oui. Que les autres se ramollissent la cervelle, ça m'est égal. Mais mon fils, c'est hors de question. Mon trésor, nous t'aimons et nous ne voulons pas que ton esprit malléable s'imprègne de toutes ces bêtises qui te font rire sans réfléchir. Oui, je le dirai à tous les esprits malléables de mon école. Où est la balle? Moi, pas savoir. Enfin, un truc nouveau, pas trop tôt. Admirez la dégaine, il a même l'air plus idiot que nature. Il marche comme lui et vous n'avez pas vu le top du top. Attention, SS Samy, 10h-5. Non, je ferais mieux de ne pas mettre le nez dehors. Mais j'y pense, c'est ça l'idée. Les visages pâles, le refuge du dernier espoir. Gunder Primalon, les amis. Salut à toi, Ekniv. Que nouveau le plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui. Bonne surprise, Ekniv. Je suis curieux de savoir ce qui pousse un athlète comme toi à descendre dans les entrailles de la Terre. En réalité, j'ai un service à vous demander.
Compte sur nous, chevalier. Si tu as l'intention de te mettre en quête des secrets de force des anciens, ils se cachent dans ce manuel. Ou tu as peut-être besoin de cartes de Kichigumi pour anéantir tes rivaux de Jamaica Mon. Zettler un sort avec un double 6. En réalité, j'aimerais surtout échapper aux élèves de là-haut. Depuis qu'ils sont allés voir l'idiot numéro 3, c'est la folie. Alors si vous pouviez m'accueillir juste le temps que ça se tasse un peu, ce serait vraiment gentil. Moi, pas savoir. Non, non, pas vous. Fuite de matière grise. Je le crains, il est bizarre ce garçon. Cette fois c'est décidé, tant pis pour papa et maman. Moi aussi j'irai voir ce film. Bonjour et bienvenue sur Cinetel. Vous souhaitez des informations sur L'Idiot 3, la comédie dont tout le monde parle? Ne raccrochez pas. Mais d'abord, dans vos salles dès le mois d'octobre... Les pandas, ces gros nounours se délectant des forêts de bambou. Mais quand le bambou vient à manquer, qui servira de déjeuner aux plantigrades? Panda Alert, un film en noir et blanc où l'on voit rouge partout. Allez, plus vite, la suite! Où vas-tu, Vincent? Je vais à la bibliothèque. Un samedi? J'ai un exposé à faire sur les pandas. Tu sais qu'ils n'ont plus de bambou à manger et ça commence à être inquiétant. Oh, Trésor, tu vas aller étudier un samedi. Quel courage! C'est bien mon petit garçon? Oui, maman, c'est bien moi. Excusez-moi. 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 Une place, s'il vous plaît, pour un enfant largement plus vieux que 11 ans. Pardon, j'ai rien entendu. Parle dans le micro, s'il te plaît. Non, rien, c'est pas grave. Attention, SS Sammy. Finster? Une place troisième âge pour l'idiot 3. Ce Billy Blaisdell est un comique de génie, c'est moi qui vous le dis. C'est vraiment de la grotte de stop. Je te retrouve à l'intérieur. C'est ma tante, je suis avec elle. Et elle m'attend. Pourquoi c'est pas elle qui paye ta place? C'est pas ma tante préférée. Ah, je comprends, on choisit pas toujours sa famille. See those nitwits, three men, a monkey and a talking rubber ducky. Just don't ask why, cause they reply me, no, no. Toi là, est-ce que c'est ton piano? Ne m'interrogez pas, monseigneur. Je suis avec le singe. Ne m'interrogez pas, monseigneur. Je vais pas l'oublier, celle-là. Je suis avec le singe. Oui, ça y est, j'ai noté toutes les phrases qui m'ont écroulé de rire. Hé, hey, mon pote, tu te rappelles, je suis venu avec une vieille dame. Oui, et où est-ce que tu l'as laissée? Moi, pas savoir. Rien ne pourra plus m'arrêter maintenant. Oh, attention, SS Sammy. Comment ça, attention, SS Sammy? Vincent Pierre Lassalle, serais-tu allé au cinéma pour voir le film que nous t'avions formellement interdit? Moi, pas savoir. Je suis terriblement déçu par ton attitude. Tu as désobéi et en plus tu as osé mentir à ta mère. Pourquoi, Vincent? Pourquoi? Oh, maman, papa, tous les autres ont vu le film, alors moi je me sentais, comment dire, un peu mise à l'écart. Je me sentais plus dans le coup, c'est dur. Vince, il y a des choses plus importantes que d'être dans le coup. On a besoin de savoir qu'on peut te faire confiance. Et pour te réinculquer cette notion, tu seras privé de télévision pendant toute la semaine. Est-ce que je pourrais quand même retourner à l'école? C'est obligatoire, l'école. Génial! À partir de lundi, je serai à nouveau le Vince super cool que tout le monde adore. Oh, ne m'interrogez pas, monseigneur, je suis avec le singe. J'assure comme une bête. Oh, attention, c'est Samy! Hey, monsieur le maire, vous voulez un fruit? Aidez-moi, au secours, maman, j'ai des fouines qui fouillent dans mon pantalon. Et vous, mon capitaine du pont de la dunette et moussaillon de tous bords, ne me demandez pas pourquoi j'ai un petit poids dans la tête, parce que moi, pas savoir.
Bravo pour ton interprétation, mais l'idiot 3 s'est dépassé maintenant. C'est plus d'actualité. T'as pas regardé la télé hier soir? La télé hier soir? Je pouvais pas, j'étais puni. Pas de télé pendant une semaine. Oh, arrête, ne me dis pas que tu as raté la patrouille des andouilles. C'est complètement délirant, je les adore. Une invention révolutionnaire dans le monde de la comédie télévisuelle. Capitaine Stupidel, aujourd'hui ça pourrait être mon surnom. Dépêche, Gretchen, montre-toi, allez. Tiens, notre Gretchen n'est pas là. J'ai gagné. Gretchen n'est jamais en retard, donc forcément elle est absente. Et voici aujourd'hui la preuve par 9. L'addition ou une barre chocolatée, s'il te plaît. Flop et reflop, pourquoi faut-il tout le temps que je lance des paris? Excusez mon retard. T'as gagné, mais qu'est-ce que j'imaginais? Gretchen ne rate jamais l'école. J'ai jamais douté d'elle un seul instant. Je suis désolée, j'ai répondu aux questions de Monsieur Wood à propos des atomes et j'ai perdu là-dessus du temps. Cela m'ennuie beaucoup, Gretchen, mais le règlement est le même pour tout le monde. Je dois le noter sur ton dossier. Gretchen, c'est la meilleure élève de la classe. J'assume l'entière responsabilité de mon retard et j'espère que mes camarades pardonneront les 2 minutes d'attente que je leur ai imposées. Salut tout le monde. TG, as-tu quelque chose à dire à tes camarades de classe? Oh oui, toc toc toc. Qui est là? C'est juste... Juste à l'heure pour l'école. Quel numéro celui-là? Allez, va t'asseoir. Sacré TG, il réussit toujours à se tirer d'affaire quoi qu'il arrive. Oui, sacré TG. Je regrette, il me manque 50 centimes pour aller chocolater. Je l'ai reposé pour un nature, le calcium c'est du calcium, hein. Mène ta barque comme tu l'entends, ma fille. Je n'ai rien dans les poches, mais j'ai tout dans la casquette, tenez. J'en ai tout un stock pour vous si ça vous intéresse, madame. Oh, sacré TG. Ouais, c'est ça. Belle journée, pas vrai? Chaque journée est magnifique à mes yeux, tu sais. Oui, quelle journée extra. Grundler, tu manges les chewing-gums? Sur le plan technique, c'est vrai, seulement c'est un prototype que j'ai créé moi-même grâce à des matériaux révolutionnaires qui ne collent plus dans les cours d'école. Quoi qu'il en soit, c'est du chewing-gum. Pas la peine, tu es de corvée de tri d'ordures pour la semaine. Et bien sûr, je te conseille vivement de porter des gants. Oui, madame. Pas si vite, Detweiler. Je sais que tu as une boulette sous la langue. Ouvre et crache le morceau tout de suite. Oui, Miss Finster, d'accord. Mais regardez, c'est le médecin qui me l'a prescrit. Ah, ces pattes de mouche n'ont ni queue ni tête pour moi. C'est sûrement un excellent dentiste. Il dit que j'ai un début de gingivite, je sais pas quoi. Gingivite, c'est grave. On ne plaisante pas avec la santé, malheureux. Il faut de l'hygiène si tu veux grandir et avoir de belles dents comme les miennes. Alors écoute ton dentiste et mâchouille ce chewing-gum. Je te préviens, si je te surprends un chewing-gum dans la bouche, même Grundler s'estimera heureuse à côté de toi. Oh, qu'est-ce qui se mijote là? T'as pas vraiment de gingis, machin, un truc, hein, TG? Non, Gus, j'ai vu ça dans une série qui se passait dans un hôpital, j'ai piqué l'idée. Ouh, toutes ces émotions m'ont donné soif. Je vais à la fontaine. Sacré TG, il a encore gagné. Gingis, machin, truc. Les enfants, je vais vous attribuer un coéquipier pour travailler sur un projet de votre choix sur la civilisation antique. La civilisation antique? C'est l'époque où Finster était bébé? Oh non, en vérité, nous remontons des milliers d'années en arrière, pas des centaines. Bon, et les équipes sont Vince et Gus, Spinelli Mickey, Gordy et Phil, Gretchen et Gigi. Non! Tu as un problème? Miss Grotke, serait-il possible de trouver un autre stylo? Suffit de demander, chère coéquipière. Tiens, il est comme neuf. Bel esprit d'équipe, bravo Tiji. Oui, sacré Tiji, c'est vraiment mon jour de chance. Pourquoi tu sors pas le nez de tes bouquins? Nous devons faire des recherches pour posséder le sujet à fond, ce qui nous permettra de trouver un thème original et de l'approfondir. Détends-toi, on n'a pas besoin de s'épuiser à chercher des heures. Pas besoin de chercher des heures? Non, j'ai déjà trouvé un projet. Tout ce qu'il nous faut, c'est quelques morceaux de sucre et 20 minutes. Ça marche? Je n'en suis pas sûre. Je crois qu'il vaut mieux travailler sur quelque chose de plus solide. Comme je sais que tu aimes bricoler, je te propose de mettre en évidence qu'était le système d'irrigation de la Mésopotamie dans l'Antiquité. Irrigation de la maison de ton ami? Irrigation dans l'ancienne Mésopotamie, le berceau de notre civilisation. Ah ouais, l'époque où c'était encore un bébé. Écoute, Tiji, je préfère me documenter sérieusement si tu n'y vois pas d'inconvénient. D'accord, Gretchen, mais mon projet est prêt à emballer et c'est du tout cuit. Au cas où ça sentirait le brûlé, j'aime autant préparer ma cuisine. Essaie de ne pas faire de bruit quand je lis. D'accord. Les gladiateurs étaient les ancêtres des catcheurs. Et toi, ça te plaît, la poésie de l'époque, Mickey? C'est un merveilleux voyage à travers le temps et la beauté. Waouh, les anciens grecs ont développé la géométrie. Je peux peut-être en faire mon sujet d'exposé. Vaut mieux attendre 2 ans quand tu sauras ce qu'est la géométrie. Salut, Gretchen, où est Tiji?
Aucune idée. Tant mieux si vous trouvez ça hilarant, mais dans ma position, c'est pas drôle, c'est le flop. Détends-toi, Gretchen, on a tous eu Tiji comme coéquipier un jour ou l'autre. Arrête de flopper, y a pas de raison. C'est vrai, relax, on est tous passés par là, y a pas de quoi s'en faire. Ah oui? Oui, je me rappelle. Une fois, on m'avait mis en équipe avec lui. C'était une randonnée d'études et au lieu de marcher, Tiji avait préféré s'allonger dans le champ. On devait rapporter des choses de notre balade et Tiji a dit « Pas de problème !» et il a ramassé un caillou. Je parie qu'intérieurement, tu devais bouillir, t'étais sous pression comme une cocotte minute. Non, en vérité, figure-toi que le caillou était une pierre travaillée par les Indiens. Alors t'imagines comment il a épaté toute la galerie. Au CE1, Tiji était avec moi pour surveiller le hamster. Au bout de 5 minutes, ça l'ennuyait. Il lui a donné une feuille de laitue et on a joué aux cartes dans un placard. Et cela ne vous a pas porté préjudice dans la mission qui vous avait été confiée? Non, Humpy se régalait bien et par la même occasion, ça nous a permis de coincer le petit plaisantin qui avait caché les cartables dans le placard en question. Tous les élèves ont remercié Tiji. Moi, une fois, j'étais avec lui en bibliothèque pour une étude de vocabulaire et au lieu de m'aider à chercher les mots dans le dictionnaire, il roupillait gentiment à côté. Ah ah! Et en voyant son désintérêt pour le bal que tu te donnais, tu n'as pas eu envie de le secouer comme un prunier? Non, j'ai fait le devoir et lui, il a carrément inventé des mots en leur trouvant des définitions. Du coup, on a même obtenu des félicitations pour notre créativité. Oh, ce qu'il est drôle! Vous n'avez jamais été en colère contre lui? Non, ce serait dommage que Tiji ne soit plus Tiji. Avec tes connaissances encyclopédiques et le style de Tiji, vous allez sortir un super projet en un clin d'œil. Oui, après tout, peut-être que tu as raison, Spidelli. Pourquoi je m'épuiserai à combattre son irrésistible charme, sa verve, tout ce qui fait Tiji Detweiler? T'as raison, c'est même pas la peine d'essayer. Mes amis, grâce à vos conseils, je sens que je vais briller par mon intelligence. Je fais le concours Dessine un méchant pour Senior Fusion Magazine. Fort intéressant. Alors Tiji, expose-moi ton idée pour le projet qu'on doit rendre sur l'Antiquité. J'étais sûr que tu poserais la question. Regarde, je voudrais construire une pyramide comme dans l'ancien temps, avec des sucres, et dissimuler une armée à l'intérieur. Un petit soldat. C'était pas la même époque, mais c'est intéressant. Tu vas voir, ça va être du nougat. Vous allez monter un super projet en un clin d'œil. C'est très tentant. Mange le bronze, Spartacus! Et tout le jour durant, elle affronta les gladiateurs comme une véritable héroïne. Sum est, est sumus, est est sum. Excellente utilisation du latin pour ton poème, bravo! Ah, nous accueillons maintenant Tiji et Gretchen. Notre projet est une sorte d'interprétation de l'ancienne architecture. Notre version est principalement inspirée de l'Égypte et de sa magnificence. Voici la plus belle des pyramides. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Heureusement, mon soldat n'a pas fondu. Je vois, ça ne vous donne pas la moyenne. Ça aurait pu être pire, on n'a pas eu zéro. J'étais habituée à mieux avec toi, ça fait baisser ta moyenne. Miss Grotke, je voulais... Oh non. Adieu, cahier de recherche. Excuse-moi pour ce qui s'est passé. Tu as eu une mauvaise note alors que tu m'avais fait confiance. Je suis désolée, je sais que pour toi l'école ça compte. Il n'y a plus d'espoir. Le projet, notre tandem d'études, mon beau dossier scolaire sans une ombre au tableau, c'est terminé, j'ai besoin d'être seule. Attends, Gretchen, ton carnet, reprends-le. Pauvre Gretchen. C'est la pire note qu'elle ait jamais récoltée. Qu'est-ce que j'imaginais? Oh, je voudrais tellement pouvoir réparer mon erreur. Quel gâchis. Regardez toute la peine qu'elle s'était donnée pour ce projet. Triple bus, tu le tiens dans le mauvais sens. Oh, c'est encore plus impressionnant. Les gars, je crois que j'ai une bonne idée. On se retrouve demain, si je réussis mon bricolage dans la nuit. Pour les différents projets que vous m'avez exposés. Je trouve que vous avez progressé dans le travail d'équipe. Miss Grotke? Oui, Tiji, tu as besoin d'aller aux toilettes. Non, mademoiselle. Je voudrais savoir si vous seriez prête à me laisser vous présenter un projet nouveau sur l'Antiquité. Ton petit soldat d'hier était un peu hors programme. Il n'y a pas de petit soldat. Bon, d'accord, vas-y, Tiji, mais ne renverse rien sur mon bureau. Nous sommes attentifs, à toi de jouer. Tu sais ce qu'il fait? Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il mijote. Gretchen et moi, nous n'avions pas les mêmes idées pour notre exposé. Et comme ma réalisation a fondu, j'ai décidé de mener à bien le projet que ma coéquipière avait commencé sur l'ancienne Mésopotamie. Ces Mésopotamiens étaient véritablement géniaux et en avance par rapport à leur époque. Parce que c'est eux qui ont eu l'idée de mettre au point le système de l'irrigation. Pour ceux qui l'ignorent, l'irrigation, c'est l'art de conduire l'eau là où on en a besoin. Oh, impressionnant.
En creusant des canaux à partir de la rivière pour aller jusqu'à la ferme, ils ont accompli l'exploit de... D'augmenter leur surface cultivable et leur rendement agricole, car l'eau s'écoulait simplement grâce à la loi de la gravité, simulée pour nos besoins par cette roue à eau, pas vrai, Tigi? Oh, salut, Gretchen. Le succès de ces fermes a permis aux Mésopotamiens de s'établir de façon permanente dans la région et de construire des lieux de vie qui avant n'existaient pas. Pas vrai, équipier? Vrai, cher équipier. Waouh! Vu l'effort évident que vous avez fourni, je ne peux que rectifier ma précédente note et vous mettre un A. Oh, merci, merci, Miss Grotke, c'est gentil. Oui, merci, c'est gentil, Miss Grotke. Je devrais vous faire retravailler ensemble. Oui, on y pensera plus tard. Oh, sacré Tigi.